Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer sur le module analyse et conception orienté objet. Donc, en utilisant bien sûr UML, Unified Modeling Language. On va faire aujourd'hui, donc la dernière fois, bien sûr, on avait fait des définitions, comment faire les spécifications de besoin. On a parlé du processus de développement logiciel. Puis on a parlé du langage de modélisation UML, ou les différents diagrammes et les types de diagrammes liquéniques UML. On a bien sûr le premier diagramme, ce qu'on appelle diagramme use case, ou là, des cas d'utilisation. Ou rapidement, diagramme de contexte, pardon, diagramme de contexte statique et diagramme de contexte dynamique. Donc, on a des examens de passage, la partie jusqu'à maintenant, le diagramme des cas d'utilisation. Donc, le premier examen de passage, c'est l'examen de passage, je crois, 2019, variante 1. Donc, l'artho, les 13 points, l'analyse et conception orientée objet. Donc, attends, deux questions. Diagramme de cas d'utilisation ou diagramme de classe par machine. Donc, l'artho, l'énoncé, il n'est pas très long, mais il est moyennement long. Mais les phrases, les diagrammes de cas d'utilisation, mais chiqueter. Les autres phrases, pour la structure, les diagrammes de classe. Les phrases, les fonctions, l'application, en vérité, je vous les phrases qui vont nous intéresser, le premier paragraphe, ou les derniers paragraphes, les derniers quatre lignes. Ou le diagramme de classe, les acteurs, ou plus à la construction de la structure de l'application. Donc, un établissement de formation professionnelle souhaite développer une application permettant de gérer son club de lecture. Donc, les jumelettes, je connais le client, qui va dire le projet, il y a l'établissement de formation professionnelle. Où est le projet? Projet ou une application de gestion de club de lecture. Donc, on a le titre du diagramme d'INA ou application de gestion de club de lecture. Donc, le titre. Le club est constitué des membres, des stagiaires et à un directeur. Le club a un directeur, donc un des membres. Le membre, je n'ai pas que c'est un stagiaire. Donc le membre, il a un stagiaire. Ou un directeur, tu as un stagiaire, directeur du club. Donc le club a un club de lecture, des stagiaires. Donc il possède des livres offerts par des personnes physiques, les personnes physiques ou les membres du club, ou les autres stagiaires de l'établissement. Ou là, des personnes morales, ou les librairies. Il y a des librairies, tu vois, ou des livres, le club, le centre, ou l'établissement. Jusqu'à maintenant, chez Babhena, Bakemarfnesh, 100% les acteurs. D'abord, c'est les acteurs, ou c'est les acteurs ou les cas d'utilisation, chez Nama. D'abord, les acteurs. Les acteurs, je connais mes chers, ceux qui utilisent l'application, les réceptionnent l'application. D'abord, on a l'application qui fait un club ou qui fait des membres, des stagiaires ou un directeur, ainsi de suite. Ou qui a l'application, ce qu'on appelle des personnes morales et des personnes physiques, ou qui a l'application. Donc, en vérité, on a d'abord les informations essentielles d'INA. Je voulais résumer l'application en deux paragraphes. Le directeur et les membres se connectent à l'application moyennant un email et un mot de passe. Il se connecte. Il l'application d'IELI. Les directeurs et les membres, ce sont des acteurs externes, des utilisateurs de l'application. Ils comme acteurs. Donc, on a un acteur, le directeur, ou les membres. Ou un acteur stagiaire. Un acteur stagiaire,
Donc, donc le directeur du club, donc directeur, je ne peux pas dire, il peut gérer les membres, les livres ou les séances de discussion. Donc, un chauffe rapide. Donc, un chauffe en parallèle la solution. Donc, on a là, chauffe la solution. Ou le hasard, transmettre le rectangle. Un titre, le Kaina, application de gestion d'un club de lecture. Jusqu'à maintenant, on a un membre ou un directeur qui se connecte à l'application. Un directeur, il peut gérer les membres, gérer les livres ou gérer les séances de discussion. On a les cas d'utilisation de l'EFA. Donc, on a un directeur peut gérer les membres, les livres et les séances de discussion. Les membres peuvent consulter les détails de séances de discussion. L'utilisateur ou l'acteur membre, il peut consulter les séances de discussion. Donc, Radine Diroa. Très bien, Nzido. Les stagiaires, les stagiaires en général, l'acteur stagiaire, je connais les stagiaires, les membres du club sont inclus. Les stagiaires, les membres du club, ou le directeur, le club est constitué des stagiaires et d'un directeur. Le directeur, un stagiaire. Elles ont compris. Les stagiaires, les membres du club ou les directeurs, je ne peux dire, peuvent consulter les livres. Ah, donc, là, consulte les stagiaires, ils peuvent consulter les livres. Voilà qui met ça, je veux dire qu'il y a un héritage, mais les stagiaires, ils peuvent être membres, ils peuvent être directeurs. En vérité, nous avons l'héritage, nous avons l'héritage, nous avons l'héritage. Ça veut dire que le membre, tu vois, il peut dire le cas d'utilisation, consulter les livres, ou le directeur, il peut consulter les livres. Donc, il y a l'application d'un use case, ou bien sûr, maintenant, il y a la connexion, tu vas dire include, la relation include, après tu vas le cours, include, il y a les cas d'utilisation, tu connectes. Donc, se connecter, on dit include, tu vas des pointillés, bien sûr, include, include, include. Bien sûr, il y a l'application d'un là. الاحظتوا ما قريتش لينونسي كامل لان هادشي كامل راه قريته الشباب راه غنقراوه من بعد باش نديرو الدياغرام دو كلاس. تيهضر غير على لا ستركتور، ما تيهضرش على لي زاكتور شنو تيديروا في لابليكاسيون ديالنا. دونك غادي نحبس هنا. دونك هذا كان هو السوليسيون ديال ليكزام دو باساج 2019 فاريونت 1. غادي ندوز من بعد في السوليسيون الجايه، قلنا السوليسيون ديال الكوريكسيون ديال ليكزام دو باساج 2019، ولكن هذه المره فاريونت 2 اللي هي قريبه الفاريونت 1، غير باش نتاكد بلي فهمت. دونك نسدو لا فيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.